Salut à tous, on revient sur Doom Eternal. Nouvel épisode. On se dirige vers la deuxième tourelle. Des tourelles qui, bah, franchement, je suis navré, hein, mais on les dirige pas. Voilà. On les dirige pas. C'est un truc automatique. Putain, ça, j'aime pas. Putain. C'est les deux. Putain, la distance, vous avez vu la distance de déclenchement? Alors là, on est où? On est dans des égouts, ok. Zombie de base. Zombie de base, et là on a un objet. Ah mais comment on fait là? On peut pas monter. Si. Ok. Ok, là on est pas mal. Yes. Voilà. Et ensuite... Voilà. Toute une petite mécanique, mais ça le fait. Voilà, ça c'est rechargé. Là, rien là. Et c'est parti. Et on sait pas où ça va ouvrir. Je déteste ce genre d'ascenseur. Alors, où est-ce qu'on est là? Rien derrière. Tac, donc c'est par là. Et là... Non, ça va pas friter encore. On a encore de l'exploration. Faut aller à gauche, il y a des choses à trouver.
Ok. Putain, c'est verrouillé. Je veux pas que ce soit verrouillé. Pas ici. Il y a des choses à faire ici. Le retour du docteur Samuel Hayden. Donc, pensant pouvoir résoudre la crise énergétique qui a dévasté la planète, le docteur a mis au point une méthode de synthèse d'argent, une reproduction synthétique pouvant créer capacité à haut rendement de l'énergie argent. Avec la disparition de cette dernière dans tout le système solaire, le seul argent qui restait se trouvait dans le creuset, le célèbre artefact de l'enfer acquis par le docteur Hayden sur Mars. Bien conscient de la puissance cachée du creuset, elle inventa une méthode pour utiliser l'artefact comme conducteur argent. Un procédé qui permettrait de fabriquer de l'argent synthétique et de restaurer la production d'énergie ardent sur Terre. Hayden devint une sorte de personnage mythique parmi les survivants terriens, et pas seulement, raison de sa condition physique, être revenu sur Terre alors que d'autres avaient cherché à fuir, avoir apporté le creuset qui offrirait une deuxième chance à l'humanité pour les gens qui... Il était devenu étranger. Ok. Donc là, ça, on a un objet. On a plein de choses là. Dont une vie. Dont une vie, dont pas mal de choses. Là non, pas besoin. Yeah, du vinyle. Alors. Oh bah c'était facile. C'était facile. Bon, bah ça s'est fait, hein. Si elles étaient toutes faciles comme ça, ces missions-là. Vous avez quelque chose à voir en fait? Non, rien, que dalle. Mais, en revanche, voici la deuxième tourelle. Ah, je pense qu'on va repartir par là. Ou par là. Accéder à l'avant-poste du docteur Hayden. Eh ben c'est parti. Non, on s'arrête pas là. D'accord. Là, de toute façon... Ouais, d'accord. Grosse zone... Oh là. Grosse zone, ça va être le bordel. Faudra se rappeler qu'il faut revenir ici. Hein?
Voilà. Donc là, on n'a pas grand chose ici. En revanche, ça, ça me plaît. Rien, pas de bouton appuyé, ok. Eh bah c'est parti pour la tuerie. Très bien, donc la zone là. Elena Richardson, entrée de journal 006, 9 février 2163. Ils ne craignent qu'une seule chose, lui. Nous avons assisté, impuissants, à l'avancée de leur horde contre les machines et les armes les plus sophistiquées que nous pouvions leur opposer. Ils étaient trop rapides, et ne se souciaient pas de leur propre sécurité. Seul leur importait le sang des humains. Ils étaient prêts à se sacrifier pour atteindre le cœur de notre monde. Nous en avons massacré des milliers. Et des millions d'entre eux se dressaient pour prendre leur place. Jusqu'à sa venue. Il s'est abattu sur eux comme la faucille sur les blés. Et notre rage pâlissait face à la sienne. Il est plus rapide, plus impitoyable. Je commence à croire qu'il est plus qu'un homme. Il est... la mort. Et ouais. Oh là, même la bande son est excellente. Bon après, je suis pas métalleux, mais c'est une musique qui me parle beaucoup plus. Bon ici on a fait le tour. Ici il y a quelque chose? Non. Rien. En revanche, il y a en dessous, il se passe des choses. Voilà. Yes. Un peu de vie.
Allez. Tu me fais chier. Voilà. Ah oui, d'accord, il n'y a plus grand chose. Ah si, 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 voilà. Je peux en prendre plus. Voilà. On va reprendre tout ça, ça refait un peu de munitions. Putain, j'aurais pu donner un coup de... J'aurais pu donner un coup de tronçonneuse. Voilà. Ça c'est fait, hein, c'est... Bang! Voilà. Au moins là-dessus, on est complet pour les grenades fragmentation. Ensuite... Là, on revient vers l'arrière. Là, on en vient. Un peu de vie. Bon, rien d'autre. Alerte à tous les employés de... Waouh, ok. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Ça, c'est fait. Hop, tac. Yes, ça. Sans utiliser. Sans utiliser de munitions. Le lance-grenade, c'est génial. Et comme j'arrive à l'utiliser comme un snipe, je suis très précis. Y'a rien ici? Ok. Affronter Samuel.
Et je veux pas affronter Samuel, moi. Ici le docteur Elena Richardson. Entrée de journal 007. 3 mars 2163. Notre salut repose sur lui. Car... Ouais. Sa force croît, leur nombre ne cesse de chuter. Les prêtres commandent leurs armées au nord et au sud, mais ils dictent le rythme du combat. Ils résident au sein du cercle intérieur de la mort, et les traquent jusqu'aux confins de la terre et au-delà. Je suis une croyante désormais. J'ai foi en la mort. C'est pas nous qui parlait. La lance qui frappe nos assaillants en plein cœur. Que ceux qui cherchent à nous nuire prennent garde. Car il n'existe qu'une seule forme de vie supérieure dans cet univers. Et elle manie une épée de vengeance au canon d'acier. Que tous prêtent allégeance au destructeur. Le temps du Slayer est venu. Ok. Ah, quand on charge. Quand on charge, c'est pas bon. Le laboratoire du docteur Hayden se trouve au dernier étage du bâtiment. Attention, les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Dieu. Le docteur Hayden était convaincu que vous finiriez par venir ici. Est-ce que je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de vous rencontrer enfin en personne? Attention, les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. On ne sait pas comment accéder au cortex principal. Tout est alien. On n'y comprend rien. Nous devons préparer sa délicate extraction selon des ordres très spécifiques. Son signal vital est à peine lisible. Alerte. Présence démoniaque de niveau 5 pénétrant le laboratoire principal. J'ouvre maintenant le portail. Une fausse idole. Mes yeux sont grands ouverts. Laisse-moi t'aider à voir, Slayer. Alors, le maraudeur est un âpre défenseur. Si vous êtes trop près de lui, il utilisera son shotgun. Si vous êtes trop loin, il lancera des projectiles. Maintenez-le à moyenne distance et contrez ses attaques lorsque ses yeux deviennent verts. Sinon... il bloquera vos tirs. Le maraudeur résiste aux super armes. Bon bah c'est parti. Ok. Okay.
Yes! Et voilà! Eh ouais, combat, il en manquait un défi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il en reste un à faire. J'y retournerai. J'y retournerai pour le finir. Alors. On va se retrouver dans le vaisseau. Enfin, la forteresse. Vous avez détruit 68% des forces d'occupation de l'enfer. Sans les prêtres, les démons ne consumeront pas la terre comme prévu par la Canmaker. Mais il reste encore un prêtre, et j'ai perdu son signal. Impossible de le localiser. Le docteur Hayden le trouvera. Le docteur Hayden se transfère en unité centrale de votre vaisseau. L'architecture est similaire à la sienne. Cela permettra... Le dernier prêtre se cache dans Sentinel Prime. La Canmaker veut éviter qu'on ne le trouve facilement. Le seul accès fonctionnel à Sentinel Prime est le noyau de Mars, dans la cité perdue des bêtes. J'ai indiqué l'emplacement, mais s'y rendre sera compliqué et la route sera longue. Il n'existe aucun accès simple pour atteindre le noyau de Mars. Docteur Hayden, il n'existe absolument aucun accès connu. Le BFG 10000, conçu par le docteur Samuel Hayden pour intégrer le réseau de défense anti-démon. Je comprends. Recherche en cours des coordonnées du BFG 10000. On ne peut pas si facilement faire un trou comme ça à la surface de Mars. Le portail est prêt. Ok, on va se faire une petite amélioration. A priori, ouais, voilà. Il y a trois clés et... Perso, je privilégie l'amélioration. Oula, c'est... Voilà. C'est où les améliorations ? Faut descendre. Là, j'ai une autre clé à mettre. Quatre sur six. Et c'est à l'étage du dessous que je veux aller. Oui. Voilà, et on va prendre la dernière amélioration de munitions. Comme ça, on est à fond. Voilà, 180, 24, 250, 24. Mais je dirais qu'il va y avoir... Non, on les a pas ici. Voilà, il va falloir un peu améliorer le reste aussi, mais au moins munitions, on est pas mal. Et sur ce, eh ben, on va finir l'épisode là-dessus. Je vous dis rendez-vous au prochain. A plus. Ciao.